Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir un petit tour avec 4 cartes seulement. C'est le genre de tour qu'on réalise de façon impromptue, sans préparation, vous sortez 4 cartes et vous êtes prêt à réaliser le tour. Vous allez voir, relativement simple à réaliser, c'est pas très compliqué, voilà, il y a juste une technique à maîtriser. Bref, comme d'habitude, je vous fais la démo, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour et avoir le secret de ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et tant qu'à faire, si vous êtes dans la description, n'hésitez pas à voir tous les liens pour souscrire à Tuto Magie Premium et me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif réservé à tous les membres premium, les liens vers les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram et TikTok. Si vous avez des questions à me poser précisément ou que vous voulez dialoguer avec moi, utilisez les réseaux sociaux, privilégiez Instagram, moi je suis très actif sur Instagram, je réponds très vite. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mettrai en ligne chaque semaine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour qui se fait avec 4 cartes uniquement. Alors j'ai pris le 4, le 3, le 2 et l'As de pique. Alors bien entendu, regardez bien l'ordre, c'est très important. On a le 4, le 3, le 2 et l'As en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est inverser l'ordre des cartes. Donc on va prendre le 4, le 3, le 2 et l'As par dessus. Regardez bien, si je prends l'As et que je le mets en dessous, on laisse agir un geste magique et l'As peut remonter. C'est fort, hein. On continue, regardez bien. Le 2, on le met en dessous, on claque des doigts et le 2, automatiquement, on remonte. Le 3, de la même façon, on le met en dessous, on claque des doigts et le 3 remonte. Nous reste donc le 4. Alors regardez bien ce qu'on va faire avec le 4. On va tout simplement le prendre et de la même façon, on va le mettre sous le paquet. Donc on prend le 4, le 3 et les, deux, et les autres cartes par-dessus. Hein. Et regardez bien, pourtant, sans rien faire, un geste magique, paf, et là, le 4 instantanément remonte. Bien entendu, toutes les cartes peuvent être laissés à l'examen, il n'y a absolument rien à voir. C'est totalement impromptu, sans aucune préparation. Et moi, ça, j'adore.